ça va, tu sais, c'est pas facile d'être loin de chez soi. J'ai un peu le mal du soupisant. Non, tu sais pas. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas vu de geyser, j'ai pas vu de soubidou, j'ai pas vu tout ça, tu vois. Et le lever de notre étoile au-dessus de notre planète, youpi. Oh! Yurlo, et si Oui. je te disais que moi, j'ai une surprise pour toi? Une surprise? Ben oui, parce que c'est ton C'est mon anniversaire! aujourd'hui! Oui! Bien sûr. Oh là là. Oh. T'as vu? Je les ai bien préparés, Oh, hein? il bouge encore. Oh. Oh, ça m'a l'air très bon. Oh, je peux pas. Tiens, commence la première. T'es J'adore! gentille. Oh, j'ai plus que son œil. Attends, je t'en donne un autre. Oh, il était beau. Ah, moi aussi. C'est tellement excellent, ça. Oh, c'est très bon, c'est très bon. C'est excellent. Ça fait du bien de manger des choses de chez Ouais, soi. c'est vrai. Ça me rappelle ma petite maman, ma petite maman. Salut les extraterrestres! Je suis Madame Potimarron. Et je viens vous parler d'un truc super important. Parce que nous, vous voyez, les humains, ils nous considèrent comme des simples légumes. Ils nous coupent en morceaux, nous font sauter. Et on finit à la casserole ou en gratin. Mais avant d'être des légumes, nous sommes avant tout des plantes. Et les plantes, c'est la base. Eh oui, les plantes, c'est la base, Madame Potimarron. Moi, je suis le professeur Poirot. Et je sais que Yipi et Zourglo vous ont déjà expliqué, mais les plantes, c'est hyper important. Oh oui, hyper important! Sur cette planète, Yipi Zourglo, écoutez, nous sommes à la base de tout. Enfin, nous, et puis aussi nos cousines les algues, n'est-ce pas? Bah ouais, les algues aussi. Et puis aussi quelques bactéries qui sont capables de faire comme nous, mais pas beaucoup. Parce que nous, les plantes, nous sommes les seuls, presque, les seuls êtres sur Terre à pouvoir utiliser les matières minérales pour les transformer en matière organique. Les matières minérales en matière organique. Eh oui, tous les petits éléments qui sont constitués, qui sont dans le sol, dans la roche, tout ça, ces petits éléments, nous pouvons en créer des plus complexes pour créer la matière des arbres, des plantes. Toutes les algues, les herbes, enfin tout ça quoi. Grâce à quoi? Grâce à quoi, Madame Potimarron? Grâce à... Eh oui, grâce à nos feuilles. Grâce à nos feuilles. À nos feuilles, oui. Ah, et c'est bon, ah. Grâce à nos feuilles vertes, grâce à la chlorophylle qui nous aide pour prendre ces petits minéraux et les construire, nous utilisons l'énergie du soleil. Le soleil! La photosynthèse, n'est-ce pas, Madame Potimarron? Bien sûr, la photosynthèse!
Et c'est grâce à cette photosynthèse que nous créons toute cette matière. Et sans nous, ben, les insectes, ils pourraient pas manger, les vers de terre non plus, et ni les humains. Eh oui, ni les humains. Et toutes ces vaches-là qui mangent de l'herbe, hein, sans les plantes, eh ben pas de vaches, pas de vaches, pas de steak dans l'assiette. Eh oui, c'est comme ça. Mais nous avons besoin d'une chose. N'est-ce pas, Potimarron? Bien sûr. Nous avons besoin, pour prendre ces minéraux, d'un sol qui soit vivant, où il y a des bactéries. Des vers de terre. Des vers de terre, exactement. Mais bon, ça, nous vous expliquerons à quoi ils servent dans une autre vidéo. Allez, à plus les extraterrestres. Ciao, à la prochaine. Ciao. Oh, hé, Yoglo, c'était quoi tout ça? J'ai pas tout compris, moi. Ah, tu crois que je suis un petit terrien ou quoi? J'y comprends rien. Moi, j'avais jamais vu des choses comme ça. Hein? Je crois qu'il essaye de nous expliquer. C'est en fait des plantes qui parlent. Voilà. Tu te rappelles de la matière carbonée? Ça, je m'en rappelle, oui. Eh bien, la matière carbonée, elle est très importante. Car avec tous les sels minéraux, les sucres, et puis toutes les petites bactéries qui travaillent, eh bien, je crois que les terriens, c'est ce qu'ils mangent. Ça devient de la matière organique. Et cette matière organique, ils se la mettent dans la bouche, comme ça. Hop. Et quand ça passe dans leur ventre, ça leur donne de l'énergie. L'énergie, ça leur permet de bouger. Et que ce soit les petits terriens ou les animaux, c'est pareil. Ils mangent aussi les animaux. Ne crois pas ça. Ben, comme nous les chmeleux, quoi. Ouais, un petit peu comme ça, comme nous les chmeleux. Voilà. Mais tu vois, des fois, ils ne les mangent pas en entier. Ils récupèrent le lait, les choses comme ça. Oh, qu'ils sont gentils, ces terriens, de nous avoir envoyé ces vidéos si instructives que nous allons envoyer aux petits Youpisiens. Oui. Oui. Bon, mais j'espère qu'il y en a d'autres, hein, encore. Oui, 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 oui. Je sens qu'il va y en avoir d'autres. Ah oui, regarde. Oh. Ça se met en marche. Tu crois? Oui. Oh, le transmetteur continue. Dupli et Yorklo, bienvenue sur notre planète Terre. Ici, nous sommes au Planet, en Savoie, dans les Alpes. Et nous sommes dans une chèvre prendre ici, pour vous qui êtes curieux de savoir ce qu'on mange. Nous, les humains, on est construits d'os, donc d'un squelette. Et l'os se nourrit principalement de calcium. Et le calcium, les os, on peut les nourrir avec du lait. Donc du lait de chèvre, de brebis, et même de nos mamans, quand on est bébé. Et ici, ils font du fromage, des yaourts, on peut même boire leur lait. Donc, en ce moment même, ils sont en train de manger. Ils font même la tonte des moutons. Ah, et on peut aller voir. On peut aller voir ça maintenant. Ça fonctionne? Nous sommes ici dans la salle de traite. On récupère le lait qui fond dans les mamelles de chèvre. C'est sûr que c'est les mamelles? Ah! Waouh! Oui. Tu vois les petites chèvres? Elles ont eu des petits chevreaux. Chevreaux, tu te rappelles? Eh ben oui! Et après, la maman, elle fait du lait! Voilà! Et on garde le lait et toujours on traîne, j'ai compris. Ça fait de la musique. Tchac, 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 tchac. Et avec le lait, on peut le boire, on peut faire du fromage, des yaourts.
Oh, plein de choses. Là là, si ça pouvait venir sur notre planète, on se régalerait avec les fromages. Et tout ça grâce à l'herbe qu'elles ont mangée. Tu commences à comprendre. Oui. Oh, tu sais, bah moi je préfère quand même les chemeuleux. Tiens, j'en ai encore. Non, ça va, ça va. J'abuse pas sur la question. Tu sais, après j'ai mes problèmes gastriques. J'ai mal au ventre. Et ça me fait des gaz. Et tu sais, quand ça fait des gaz, ça fait des gaz. Dans la soucoupe, c'est embêtant d'avoir des gaz, tu crois pas? Ah ben si, alors là... Bon, mes petits amis, allez, on vous dit au revoir et à la prochaine. Et surtout, continuez toutes ces leçons instructives, c'est trop bien. Si on pouvait les leur communiquer en direct, ce serait bien. Bon, allez, à bientôt. Et regardez le carnet de bord, surtout. Et n'hésitez pas à marquer des choses, comme ça on peut les lire. Voilà. Eh ben oui, hein, parce que c'est comme ça qu'on échange. Parce que moi, j'ai vu passer un message aussi sur la langue qui est compliquée, tout ça. Mais vous verrez, il y a un petit jeu, si vous regardez bien. Un petit jeu sur le carnet de voyage, ça c'est oui, malin. Oui, oui. Ah, on a bien fait de venir avec toi, Zipli. Entre les chemeleux et le reste, je suis content. Ça m'a remonté le moral. Alors, à bientôt. À bientôt.